Wow. Bon, on arrête les trucs mythos 5 minutes, ok? Alors, je vais plutôt vous faire un Draw My Life. Ouais, alors un Draw My Life, c'est quoi? Tout le monde sait ce que c'est? Non? Bon, allez, je vais traduire pour les dolos. Un Draw My Life, ça veut dire que je vais vous dessiner ma vie. Ma vie de quoi? Ma vie d'officier dans le matériel. Alors, on va tout de suite être clair. C'est pas le matériel qui m'a choisi, c'est moi qui ai choisi le matériel. Ah, comme tout le monde, j'ai pensé à des trucs mythos. Genre, j'ai rêvé cavalerie. Mais j'aimais pas le poney. Après, j'ai pensé à l'infanterie. Il y a personne. Je sais pas où il est. Il s'est tiré. Il n'y a aucun mouvement, pas une ombre à l'horizon. Ouais, mais bon, surveiller les grains de sable dans le désert, non. Et finalement, j'ai envisagé l'artillerie. Mais... Non. Du coup, bah, je savais toujours pas quoi choisir. Et puis un jour... Les amateurs se piquent de stratégie, alors que les experts parlent de logistique. Et donc là, tout était clair. Et j'ai choisi le matériel. Ouais, bon. Mes potes se sont un peu foutus de ma gueule. Bref, passons. Enfin, les dolos, eux, ils rigolaient pas trop. Je pense qu'ils avaient un petit peu plus compris. Après ça, bah, j'ai fait un bref passage à Bourges. Mais au fait, vous savez où c'est Bourges, vous? Ah ouais. Bourges, c'est là. C'est au centre de la France, donc du monde, voire même pour les dolphs, de l'univers. Et alors Bourges, attention, c'était quand même la capitale de la France au 15e siècle. Il y a un super grand radiotélescope qui permet de voir jusqu'à 600 millions d'années-lumière, un truc de fou. Et aussi, bah, il y a Bourges Plage. Non, j'ai dit Bourges Plage. Du coup, je vous disais que je suis passé par Bourges, où j'ai eu notamment l'occasion, disons, de renforcer le lien armée-nation. Et après, j'ai choisi mon régiment. Mais au fait, on peut aller dans le matériel? Bah, c'est simple. Ici, 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 ici. Bah, en fait, partout, quoi. Et même la curva. Le plus dur, ça aura quand même été de trouver un béret à ma taille. Quand je suis arrivé en unité, je peux vous dire qu'il aura pas fallu longtemps pour que je parte en OPEX. Non, j'ai dit en OPEX. Eh putain, j'ai dit en OPEX là! D'ailleurs, vous vous souvenez de lui? Et de lui. Et aussi de lui. Oui, oui, mes potes de couette. Je les ai tous retrouvés en OPEX. Et ils étaient pas vraiment meilleurs de leur forme, en fait. J'étais content de les revoir. Alors eux, ils étaient vraiment, vraiment, vraiment contents de me revoir. J'ai d'abord été voir mon pote fantassin. Bon, c'est vrai qu'il est formé à faire pas mal de choses à pied, mais bon, les véhicules, ça peut aider parfois. Alors je suis venu, j'ai vu, j'ai réparu. Quoi? On dit pas réparu? Après, pour l'artilleur, ça tirait pas. Et quand ça tire pas, bah ça va pas. Mon copain cavalier, lui, il avait un problème avec sa monture. Mais quand le cheval fait 56 tonnes et qu'il veut plus rien savoir, bah vous pouvez toujours essayer de lui faire bouffer de l'avoine, ça réglera pas le problème. Alors j'ai débarqué, j'ai murmuré à l'oreille du Leclerc, et là mon pote est reparti au grand galop. Eux qui se foutaient de ma gueule, enfin bref. Vous voyez un peu plus ce que c'est la vie d'un officier du matériel maintenant ? Et c'est pas fini. Bref, à ce moment-là, j'ai repensé à ce jour où j'avais dit
Mon général, je choisis le matériel.